Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Paris Sapma pour la carrière. Je veux dire, nous allons analyser ça nous relève Trump version 2. Ce n'est pas même Trump là. Trump numéro 1, ce n'est pas même Trump numéro 2 pour l'élection 2024. Ce n'est pas même scénario. Ou bien Donald Trump qui n'a pas gagné même ZAM. Ça t'a dit Fox News. Ça t'a dit des multimilliardaires cap financiers. Mais tout, ou bien Donald Trump qui. Pratiquement même slogan yo yo gata konnen yo déjà pas contre vous comprendre mais qu'America great again Donald Trump en pète de slogan donc c'est comme ça pour nous comprendre et projection yo en pile monde pensait que au coup de route monsieur a bayvag parce que yo étudie le bien en psychologie monsieur son nèg lorsque il réalise tout temps tout bon que la perdit c'est soit il dit élection en truqué gain magouille. Ou bien tout simplement, li choisi bay vague. En pile moun pense, avant nous arriver, pas oublier que nous parlons de primary, bon bay ou le yo a caucus, avant nous arriver la dan, yo pense que, effectivement, monsieur capable de retirer kol nan kous la. Présentement, ça vous comprenne, Donald Trump gagne yon sévère problème stratégique. Et ça n'a pas dit, et polim number yo, polling number montre difficulté ça tout. Mais on l'autre bord, faut nous dire que nous pas oublier que monsieur a gagné yon panoplie de problèmes légal. Et c'est avant-hier yon fait nommer justement eh bien yon investigateur sous cas de dossier voulu. Donc tout bagage ça montre que et pendant moi qui pral vinn la yo trajectoire monsieur c'est une trajectoire qui extrêmement difficile et tout monde connaît monde qui vit bon côté le connaît son nèg qui perdit et lorsqu'il a fait face avec l'idée de perdre c'est soit Jean te dit avec Biden là élection yo volel ou bien le bay vague nous je dis assez et on dit 21 novembre 21 novembre 2002, nous avons proposé tête nos questions. Une année plus tard, 21 novembre 2023, qui s'est apprêté dans Trump nous aujourd'hui? Parce que son Trump qui court, il prend devant, qui dit le candidat. Un an plus tard, très certainement, il y a un bon monde qui bat devant. Et il a projeté que M. capable tellement trouver derrière des sentiers. Et qu'effectivement, que le cap quitte. Ou qu'à comprendre ça. Puisque, en pile, moun plein de résultats élections qui sont faites là, yo. Plusieurs candidats, c'est parce que M. Tap soutenu. Maintenant, pendant ces derniers jours, il a montré que M. c'est avec en pile difficulté pour le tarif et des sentiers. Mais après l'élection, il a vint pi mal. On bien dit, après l'élection, on parlait de l'élection de passé là. Statistiques ont montré que, eh bien, les gens qui t'avaient pour monsieur dans ce cas-là diminuaient de manière considérable. Ils passaient à 47%. On va quitter 60%. Qu'on y a ces 47% qui étaient d'accord pour monsieur. Je parle de au sein des républicains. Et les a comparé des sentiers avec, je ne j'ai dit, au grand affaire de 46-39. Ces chiffres qui a parlé. Yon dernier poll qui c'est YouGov poll côté que tout voteur et sous des sentiers, yo dit yo préféré des sentiers. Et ça met tapé sous clou ça nous relé groupe conservateur yo jounen jodi a yo fa yo favorable pour des sentiers à 51%. Pendant ce temps des sentiers fait silence, des sentiers pas parlé. Des sentiers pas comme même dit que il va aller dans l'élection. Ba continue comprendre. Et des gens qui pas dit le balai élection tout le fait li fait déclarer côté que li est comme gouverneur donc ce façon vous dit courir devant monsieur ya c'est pour et décourager en peu monde pas rentrer dans course là mais là n'a pas de senti gon pile l'autre candidat tout yo même yo senti yo gain place yo gain chance yo par rapport avec piètre résultat mauvais résultat que justement Donald Bay au niveau de élection midterm là.
Je nous dis à son Donald Trump qui n'a pas rien de nouveau, pas rien d'intéressant. Et celle-là qui était slogan, c'est. Et celle-là nous a changé en guise que pour t'avouer blême sur démocrate, dans le discours que le tape fait pour lui dire que le candidat, il commence à voir blâme sur la Chine. Mais Donald Trump n'a pas changé ou pas qu'à gagner l'autre Donald Trump. On a toujours gagné. Et même Donald Trump. On a regardé justement et ça et l'autre candidat dit Donald Trump nous connaît qui paraît bien bonnet mais en plus l'autre candidat a parlé c'est vrai qu'il a parlé de senti mais il a oublié ou gagne ambassadeur Nikki Haley ou gagne justement Pompeo non week-end non non coalition de conférence en parade qui était gagne pile républicain la donne pile l'autre politicien qui au même tout voulait entrer dans la course là, qui pour qu'on dit justement qu'il a pas entré, il a commencé à envoyer message tone, bien que en plus là-dedans, il pour qu'on cite notre Trump, mais de manière collective, il a fait le clair que il a pas parlé back down, il a pas parlé by vague, comme quoi Donald Trump son gros taureau, il a tout by vague. Après, pendant trois fois justement, des pires résultats, Mark Pompeo, qui est secrétaire d'État, et qui a été choisi pour le CIA directeur, il a averti les républicains dans cas d'élection. Il dit que pour nous gagner l'élection, nous ne pouvons pas indirectement faire même avec Trump, pour connaître que nous parlons dans Fox News, et puis nous parlons sur Twitter. Okay? Il dit que ça pas suffit, c'est Mark Pompeo qui a parlé. Et d'autant plus, je vous dis, pas de Fox News, pas aussi ouvert que le était dans le passé avec Donald Trump. Ancien, nous avons oublié candidat ça, ancien gouverneur de New Jersey, Chris Christie, et lui-même qui était dirigé équipe transition Trump-là, il dit que, je ne dis pas si les républicains ont perdu, c'est parce que Donald Trump mettait tête li avant toute bagaille. Il mettait intérêt au-delà de tout, au lieu que pour chercher intérêt d'équipe, intérêt et du parti républicain. Nikki Haley, qui nous connaît, qui c'est ancienne ambassadrice des États-Unis au niveau des Nations Unies, il a remarqué que c'est le monde d'adieu, elle te dit qu'il ne peut pas aller à l'élection. Apparemment, il a changé d'idée. Puisque samedi que ça se passe là, dans le discours, il fait qu'on est que là, effectivement, il prend aller dans la course là. Mais de manière sérieuse. Et il a ajouté que le Parti républicain a besoin de générations beaucoup plus jeunes pour mener nous. Et donc, ça a montré que. Et Trump qui court prend devant, pas voyant aucun signal de découragement, par un ensemble de monde qui pensait que journée jeudi, il a gagné toute chance, par devant de piètre résultat que Donald Trump a fait. Il pensait que monsieur beatable, il pensait que il est capable de battre monsieur, que monsieur prenable, monsieur qui profitait 2 ans, tout le monde a dit, pour qu'il s'abonne comme ça. 2 ans avant le grand temps de la tout le monde posé, il a obtenu. Parce qu'il dit, nous allons prendre de vitesse, nous allons prendre le pied devant, en quitter le palais toujours. Mais son Donald Trump, vraiment, et c'est ça, nous allons suivre. C'est l'agent, ou pas qu'à faire élection sans l'agent. Son Donald Trump qui n'a pas gagné financial support que le qu'on a habitué à gagner. Il n'a pas gagné financial support, il n'a pas gagné, même ça n'a pas été internal support que le qu'on a habitué à gagner. Ces déclarations, en tout cas, gouverneur et New Hampshire, Crisson. Et donc, il pensait que il y a une opportunité pour tout le monde. Tout le monde doit venir prendre chance sur ce terrain. Il pensait que Donald Trump, contrairement à ça, il pensait qu'il pourrait être un player parmi tant d'autres. Il pourrait être un parmi toutes les 12 et date 7. Donc voilà et la situation, justement, telle qu'elle est, concernant ce dossier de Donald Trump, qui lui-même pensait que. Quand il prend devant, il est capable de décourager l'autre. Quand il prend devant, il pensait que il est capable de mettre le dossier de la justice de côté. Et pourtant, tel n'est pas le cas. Nous pensons que il y a un petit problème. Dossier judiciaire a gagné pour arriver sous monsieur de très bientôt. Donc voilà, en clair, pour tout le monde qui a compris, dans quelle situation monsieur Donald Trump est aujourd'hui dans la tentative qu'il a gagné pour arriver pour l'autre fois. Et sous pour ça, en pile piquant qu'on a sur route là, effectivement, nous pensons que
gen an pil de kandidat de tay de pwa ki kapab efektiveman mete do monsieur a te. Donc voilà guys, nou te vle fè analise sa yo pou nou. C'était un plaisir.